Bonjour, au nom de la prépa ISP, je vais présenter quelques éléments de correction de l'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques pour le concours de gardien de la paix, session de mars 2023. Tout d'abord, je vous présente ce livre qui est réalisé avec les éditions Nathan. Vous y trouverez de nombreux conseils, mes conseils détaillés et surtout beaucoup d'entraînements entièrement rédigés et une méthode pas à pas pour vous aider aussi bien à l'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques qu'aux épreuves qui vous attendent à l'oral. Donc je commence par cette petite introduction qui reprend ce qu'est l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et qu'est-ce qu'un cas pratique. Je vous laisse découvrir et je commente à retenir principalement le RCP et l'épreuve qui a le plus fort coefficient des épreuves d'admissibilité. Et surtout, c'est une épreuve qui dure 2 heures depuis la session de septembre 2022. Ensuite, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'un cas pratique? Cas pratique composé d'une situation réaliste, donc qui correspond à ce que peut rencontrer un gardien de la paix. Là aussi, à noter que la situation, depuis septembre, peut prendre des formes variées, texte, photographie, dessin. L'institution a fait preuve de ce côté-là d'originalité, nous le verrons lorsque nous présenterons le dossier et les cas pratiques. Alors, je vous propose de travailler sur 4 points. Alors, ces points-là, vous les retrouverez dans d'autres vidéos que je vous invite à consulter. Les vidéos, en fait, se complètent les unes les autres et vous trouverez certaines fois des éléments qui vous aideront à mieux comprendre certains points. Donc, alors, 4 parties. D'abord, rapide commentaire sur la nouvelle forme de l'épreuve. Ensuite, comment se préparer à l'épreuve. Ensuite, qu'est-ce qu'une copie réussie. Et enfin, l'examen du sujet et 2 exemples rédigés. Alors, je précise bien que par examen du sujet, on entend aussi bien les cas pratiques que le dossier documentaire. Le dossier documentaire est vraiment un élément que le candidat ne doit pas négliger. Donc on attaque avec la nouvelle forme de l'épreuve. Alors, il y a une nouvelle notation, coefficient 4 ou coefficient 5 suivant le concours que vous préparez. Donc je rappelle qu'il y a 3 concours au gardien de la paix. D'abord, le concours externe, ensuite le premier concours interne et enfin le second concours interne. Donc ces nouveaux coefficients s'associe à une nouvelle notation, puisque depuis septembre 2022, des points sont consacrés à l'orthographe, à la grammaire et à la syntaxe. Pour l'épreuve de septembre 2022, comme pour celle de mars 2023, 5 points ont été attribués. Cela ne veut pas dire que dans le futur, ce sera 5 points. Cela dépendra du nombre de cas. Mais en tout cas, il semblerait que désormais l'institution ait choisi de noter ou du moins de sanctionner les copies qui contiennent trop de fautes et surtout les copies qui sont mal rédigées. Il est primordial de bien retenir ce point-là. Votre écrit est un écrit fonctionnel. Il doit être explicite, clair. Cela veut dire que votre lecteur doit le comprendre immédiatement. Ce n'est pas un écrit à décoder. Trop souvent, avec une mauvaise ponctuation, arrivent 2 problèmes. Le premier, la phrase ne veut strictement rien dire. Le second, la phrase propose plusieurs interprétations. Cela est dû donc à une mauvaise ponctuation. Or, le jury est composé à minima de brigadiers, c'est-à-dire de personnes qui seront vos supérieurs.
pour eux, il est important de savoir si le candidat sait maîtriser l'écrit. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de faire des phrases bien ponctuées, sans trop de fautes. Ce qui sera nettement sanctionné est le côté incompréhensible d'une phrase, encore une fois, ou alors le côté elle offre plein de possibilités d'interprétation. Donc retenez bien ça. Je vous conseille de rédiger des phrases qui ne comportent que deux verbes conjugués au maximum. Deux verbes conjugués et ensuite vous mettez un point. Il est rare dans cette épreuve de devoir rédiger des phrases qui comportent plus de trois verbes conjugués à un mode personnel. Donc, je commence ma phrase par une majuscule, je la termine par un point, et à l'intérieur, il y a au maximum deux verbes conjugués, et il y a toujours au moins un verbe conjugué. Arrêter votre écrit permettra de bien le maîtriser. C'est sur cela que les points qui s'ajoutent à ceux des cas pratiques portent. Le point primordial, maintenant, de cette nouvelle forme est évidemment la nouvelle durée du concours. Depuis septembre 2022, le concours dure 2 heures contre 3 heures avant. Cela engendre plusieurs modifications pour le candidat, plusieurs conséquences. La première, la préparation va légèrement différer. Et la seconde, surtout, on n'abordera plus l'épreuve de la même manière que lorsqu'elle durait 3 heures et qu'elle proposait 2 cas supplémentaires, puisque la forme qui avait été choisie était 3 heures, 5 cas pratiques. Dernier point sur cette nouvelle forme de l'épreuve, la variété du contenu des cas pratiques. En septembre, un cas pratique a proposé une situation réaliste sous la forme d'un dialogue, ce qui était original. Et en mars, il y a eu encore plus original, ce qui a surpris évidemment les candidats. Nous avons eu, dans un des cas pratiques, un croquis représentant un accident corporel. On peut donc en déduire, pour les futurs candidats, que les cas pratiques peuvent prendre donc des formes qui vont pas forcément être toujours les mêmes, c'est-à-dire celle d'un texte. Sur les sessions qui ont précédé septembre 2022, la plupart, généralement, les cas étaient un texte d'un ou deux paragraphes, dans lesquels pouvaient s'insérer, entre les deux paragraphes, une ou deux questions. Il faut désormais s'attendre à une variété. Alors, il n'y a pas de panique à avoir, il ne faut pas stresser si vous tombez sur un cas dont la forme n'a jamais été étudiée. Un cas qui est nouveau, les attentes resteront les mêmes. On évaluera la capacité du candidat à comprendre la situation, à restituer de manière synthétique et encore une fois lisible et claire cette situation. Nous le verrons tout à l'heure lorsque nous analyserons les différents cas pratiques. Voilà, donc le point principal, une nouvelle durée qui implique donc un entraînement différent. Comment se préparer à l'épreuve de résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques? Donc, là encore, je vous invite à consulter les vidéos précédentes. Vous y retrouverez d'autres conseils qui sont valables, même si l'épreuve a perdu 1 heure. Il y a d'abord les prérequis incontournables. Je dirais que plus l'épreuve est courte, plus les prérequis vont être indispensables. C'est-à-dire qu'il faut gagner du temps. Or, certains articles sont incontournables, certains codes également, comme le code de déontologie, ou la charte d'accueil, ou l'article qui va porter sur la flagrance. Ces codes-là, ou ces éléments notoires, doivent être maîtrisés. Cela vous permettra de gagner du temps. Les prérequis incontournables sont donc une connaissance juridique. Il ne faut pas connaître les articles par cœur, mais savoir, par exemple, à quoi correspond l'article,
53 du code de procédure pénale, etc. Ce genre d'article est absolument à connaître. Les prérequis incontournables sont également liés au deuxième point qui est l'esprit et la culture de la police nationale. Pour prouver en fait votre connaissance de la police nationale, ou du moins votre effort de la connaître, puisque vous aspirez à devenir policier, policière, eh bien, il faut maîtriser en grande partie le sociolecte de la police, c'est-à-dire quelques mots utilisés par la police que vous allez replacer dans votre copie. Ça sera par exemple le cas de la station directrice. Toutes les professions ont un sociolecte particulier. Par exemple, on va retrouver très souvent au ministère de la Justice CJ, contrôle judiciaire. Vous voyez, ce genre de choses, vous devez les maîtriser. Montrer aussi l'esprit et la culture de la police nationale revient à régulièrement aller sur le site Devenir policier ou sur le site du ministère. Vous devez vous y rendre régulièrement et prendre des notes lorsque vous voyez qu'il y a un changement notoire qui arrive. Vous devez vous imprégner de cet esprit et de cette culture. Plus vous le faites, plus les sujets seront faciles à maîtriser et plus vous comprendrez les attentes explicites et implicites du sujet. Comprendre aussi l'esprit et la culture, les acquérir, revient à consulter très régulièrement des journaux et à être très attentif sur les articles qui portent sur la police. Le concours est un concours très axé sur l'actualité. Cela se retrouve dans le QCM, qui est une autre épreuve du concours. Le QCM s'ancre dans une actualité très récente. Il peut y avoir des éléments culturels, de culture générale notoire, par exemple, qui était le roi Henri III, ou des éléments liés à des éléments politiques ou sportifs. Mais globalement, on reste sur un concours très actuel. C'est-à-dire que les faits sociétaux qui composent l'actualité, qui se retrouvent dans l'actualité, peuvent très bien se retrouver au concours ou se retrouvent souvent au concours. À titre d'exemple, en septembre 2022, il y a eu un cas pratique qui portait sur les rodéos urbains. Donc, le candidat qui a lu des articles dans les journaux, qui a consulté les sites, est au courant, en fait, de ce que l'institution et les pouvoirs publics font pour lutter contre cette infraction qui engendre beaucoup d'inquiétudes et qui dérange fortement nos concitoyens. Troisième point, pour se préparer à cette épreuve, il faut rédiger à la main. C'est-à-dire, vous devez oublier l'ordinateur. Ne faites pas des devoirs avec un traitement de texte. Ce n'est pas possible. Si vous avez perdu l'habitude d'écrire à la main, il va falloir rééduquer. Se réhabituer à écrire, ce n'est pas évident. Donc, tous vos efforts de rédaction, désormais, doivent se faire avec un écrit manuscrit. Je vous invite à consulter les annales que vous trouverez sur le site de la prépa ISP, je donnerai l'adresse plus tard, et vous verrez qu'on vous indique avec quel stylo vous devez rédiger. C'est-à-dire qu'il y a des stylos qui sont interdits. C'est avec ce stylo-là, celui que vous utiliserez au concours, ou ce type de stylo, que vous allez rédiger. D'abord, on rédige à la main. Ensuite, que veut dire rédiger? On s'entraîne à écrire. Pas forcément toujours
en préparant des questions liées au sujet officiel, mais des entraînements. Exemple, vous lisez un article dans Le Monde qui porte sur la police. Entraînez-vous à le synthétiser en 2-3 lignes. Cela vous permettra de le faire entrer dans votre esprit et de vous constituer une banque vraiment d'éléments culturels liés donc à l'actualité de la police. C'est très important. Cela vous entraînera également à synthétiser ce qui est une des attentes très claires du concours. Deuxième élément, on se corrige. C'est-à-dire que on vérifie avec un dictionnaire, en fait, l'orthographe. Et surtout, on vérifie la syntaxe de sa phrase, qu'elle soit bien ponctuée, bien organisée, claire. Tout cela, c'est un entraînement quotidien qui sera très utile à l'écrit comme à l'oral. D'ailleurs, je vous invite, une fois que vous avez fait votre synthèse à l'écrit, à en fait la résumer aussi à l'oral pour vous préparer aux épreuves liées à l'oral. L'oral se prépare dès le début du concours. N'attendez pas de savoir si vous êtes admissible pour préparer. C'est une erreur. Il faut faire un travail dès le début pour toutes les épreuves. Dernier point, un entraînement ciblé et un entraînement dans les conditions du concours. Alors, ce sont plutôt des entraînements ciblés et des entraînements dans les conditions du concours. Un entraînement ciblé revient très régulièrement à répondre à des questions liées à des cas pratiques. Vous trouverez dans le livre de nombreux exercices à faire, donc le livre des éditions Nathan, qui vous permettront cet entraînement et vous verrez qu'il y a un corrigé rédigé. Donc régulièrement, dans les annales, je réponds en fait à une question. Je m'astreins à cet exercice en regardant bien et en faisant bien attention au temps. Et puis, très régulièrement, vous devez réaliser des entraînements dans les conditions du concours. C'est-à-dire qu'il faut prendre un sujet et le traiter entièrement en 2 heures. Aucun candidat, ou très peu de candidats, n'apprécie de s'entraîner dans les conditions réelles du concours. C'est fatigant, quel que soit le concours, n'a pas envie de se, entre guillemets, coller soi-même. Néanmoins, il faut le faire. Le premier devoir peut être réalisé sans regarder la montre. C'est-à-dire qu'on ne triche pas, on prend le sujet, les cas pratiques donc et le dossier documentaire, et on répond le plus, comment dire, qualitativement possible, sans regarder la montre. Mais dès le deuxième sujet, vous devez limiter le temps, c'est-à-dire le faire en 2 heures. Si vous dépassez les 2 heures au deuxième sujet, vous tirez un trait, vous marquez 2 heures, et puis vous continuez, vous terminez le plus rapidement possible. L'objectif va être progressivement d'arriver à faire un devoir en 2 heures. Il est très risqué de ne jamais avoir fait de devoir dans les temps réels et de réaliser son premier devoir dans les temps réels le jour du concours. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas être fait, mais c'est risqué. Donc, évitez. Faites des devoirs vraiment en temps réel. La prépa ISP vous propose 7 sujets complets, ce qui est un entraînement exigeant, mais qui vous garantit d'être prêt dans la gestion du temps le jour J. Voilà. Donc, si je résume, on apprend certains articles, le numéro de certains articles, on sait à quoi il correspond. On s'imprègne de l'esprit et du sociolecte de la police nationale, on suit l'actualité. Et on en fait, on se constitue une banque pour savoir, en fait, voilà. On peut regarder éventuellement des reportages télévisés avec un esprit critique. Attention, il y a une forme de mise en scène quand même, hein, faite par le montage, mais ça peut aussi vous aider à comprendre ou à acquérir certains réflexes. On rédige le plus souvent possible à la main. On se corrige et on analyse des dossiers documentaires. Alors, j'avais oublié de le dire,
analyser des dossiers du commentaire est primordial. Cela vous permettra de voir les articles qui reviennent, les codes, à connaître les éléments. Donc, on prend les annales depuis que le concours a changé il y a quelques années. On prend les annales, hop, 2019, 2020, 2021. On les télécharge, et puis on étudie le dossier documentaire. Très, très important, ça permet en fait de commencer à rentrer. Et on s'entraîne, donc des micro-entraînements et de vrais entraînements qu'on planifie. Si vous ne planifiez pas vos devoirs, il y a forte chance que vous ne les fassiez pas. Encore une fois, c'est un exercice difficile de faire des devoirs, et l'épreuve est une épreuve particulièrement exigeante, puisque on court après le temps, encore plus depuis qu'elle dure 2 heures. Donc c'est une preuve exigeante pour laquelle il faut s'entraîner en amont. Donc, une copie réussie, ce qui est évidemment une des grandes questions du candidat. Comment réussir ma copie? Comment me différencier des autres? J'ai été prolixe dans mes vidéos précédentes. Donc, je vous invite à regarder à nouveau ces vidéos-là. Je vais revenir sur ce qui me semble les points principaux. D'abord, une copie réussie est une copie qui facilite le travail du correcteur, c'est-à-dire qui lui demande le moins d'efforts possible. L'évaluation qui est faite de votre copie est une évaluation dite sommative, c'est-à-dire qu'elle fait la somme, elle ne donne pas de conseils, elle attribue une note. Ce n'est pas une évaluation formative qui, elle, en fait, met également une note, mais qui vous donne des conseils pour améliorer. Le correcteur fera donc le moins d'efforts possible. Si votre phrase n'est pas claire, il ne la relira pas. Il considérera que ce n'est pas clair et donc il passera à autre chose. Donc, facilitez le travail du correcteur. Soyez clair. Indiquez bien le numéro de la question à laquelle vous répondez, sans recopier la question. Marquez par exemple cas pratique numéro 1, question 1. Écrivez avec la graphie la plus agréable possible. C'est important. Il y a une forme de séduction de la copie à l'œil. Ponctuez vos phrases. Ne tentez pas d'utiliser un vocabulaire que vous ne maîtrisez pas. Restez concis. Montrez au correcteur que vous avez tout fait, bien aérer votre copie pour, en fait, lui faciliter le travail. J'attire votre attention à ceux qui sont tentés de sauter des lignes à l'intérieur d'une même réponse, ce qui est un classique. Ça, je vous garantis que c'est le meilleur moyen de perdre le correcteur et que lorsqu'il retrouve ça 5, 6, 10 fois dans les 90 copies ou 100 copies ou plus de copies qu'il a à corriger, il va être vraiment agacé et il sanctionnera. Donc, je garde en mémoire que le correcteur n'est pas mon formateur. Il n'est pas là pour m'aider à améliorer ma copie, mais il est là pour noter ma copie. Je lui facilite donc le maximum le travail. Cela lui montrera que lorsque je serai son subordonné, je ferai la même chose, je ne lui rajouterai pas du travail. Lorsque le correcteur lit votre copie, il se demande quel policier vous serez. Et il y a de fortes chances que vous tombiez sur un correcteur, puisque c'est à minima un brigadier qui corrige, qui soit donc plus gradé, dont vous êtes son subordonné. Si vos rapports reviennent, ou vos notes, vos écrits reviennent parce qu'ils ne sont pas clairs, et engendrent donc par exemple des problèmes avec vos collègues de la justice, cela n'ira pas. Le correcteur se dit « Ouh là là !» Lui, son écrit, ou elle, son écrit, me fait penser à tel de mes subordonnés qui ne sait pas écrire, il sanctionne. Net. Donc, on garde cet esprit-là. Une copie qui facilite le travail du correcteur. Deuxième point. Une copie réussie est une copie qui est organisée et équilibrée. Organisée, cela veut d'abord dire que
le correcteur sait à quelle question vous répondez. Vous avez le droit de ne pas répondre aux cas pratiques dans l'ordre et de ne pas répondre aux questions dans l'ordre. Je dirais même qu'il est souvent intelligent de ne pas répondre aux cas pratiques dans l'ordre, parce qu'il y a une petite stratégie à avoir. On y reviendra tout à l'heure, suivant le type de question. Néanmoins, lorsque vous attaquez un cas pratique, vous répondez à toutes ces questions avant de passer à un autre cas. Pour être clair, je ne réponds pas à la question 2 du cas pratique numéro 3, puis à la question 1 du cas pratique numéro 1, puis je retourne au cas pratique numéro 3. Non, je choisis un cas, par exemple le 3, et à l'intérieur, je réponds à la question que je veux, mais ensuite viennent les autres. Donc c'est ça. Une copie organisée, c'est également une copie qui va être claire à l'œil pour le correcteur. Une copie organisée est également une copie dont la réponse est bien structurée. Il y a 3 types de questions à ce concours. Donc vous retrouverez le détail dans le livre. Savoir, action, argumentation. Certaines questions peuvent être mixtes. Généralement, savoir, argumentation. La réponse diffère donc, suivant le type de question. Ma réponse est toujours organisée, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, reprendre les mots-clés de la question et ensuite donner une explication justifiée. Voilà, elle est organisée. Une copie réussie est également une copie équilibrée. Le jury peut très rapidement, à l'œil, voir si vous avez terminé à l'arraché ou pas. Quoi voit-on cela ? Déjà, l'écriture se dégrade aussi bien au niveau de la graphie qu'au niveau de la qualité. C'est-à-dire que c'est vers la fin que je perds l'idée de bien maîtriser ma phrase et je suis tellement pressé que, entre guillemets, je bombarde. Donc l'écrit part un peu dans tous les sens, ou des fois carrément dans tous les sens. Et puis, on voit aussi que la copie n'est pas équilibrée lorsque le candidat ne consacre que 10 lignes au dernier cas, alors qu'il en a fait 50 dans les deux autres. Donc gardez ça à l'œil, ma copie, elle est équilibrée. En mars 2023, il y avait 3 cas pratiques. On attend qu'il fasse à peu près le même nombre de lignes. Cela montre que vous avez équilibré la copie. On attend que la qualité visuelle et la qualité, on va dire, littéraire ou fonctionnelle de l'écrit soit identique entre le premier cas et le dernier cas. Troisième point, une copie réussie montre un esprit policier. Donc, là, il faut prouver que vous connaissez la police nationale en rajoutant des éléments. Des éléments qui peuvent être dans le dossier documentaire ou qui peuvent être liés à vos connaissances. Alors, pas rajouter n'importe comment, mais par exemple en latin ou en français pour la patrie il veille, c'est quelque chose qu'on peut attendre de vous au niveau des connaissances et qui peut être à placer. L'esprit policier montre en fait que dans votre copie, vous raisonnez déjà comme un policier, vous tentez de le faire. Alors évidemment, vous êtes un néophyte, vous allez avoir une formation, on n'attend pas de vous que vous soyez au niveau de vos peut-être futurs collègues qui sont en fin de formation. Non, mais il faut montrer que vous essayez de penser en policier. Très important, et c'est pour ça qu'il faut avoir cet esprit et cette culture policier. Deuxième point, dans votre copie, vous faites preuve d'une rectitude morale absolue. C'est-à-dire que vous êtes carré, que vous ne négociez pas avec la déontologie. Très souvent, dans les sujets, il y a une question ou des questions qui vont porter sur la déontologie du policier. Et donc, vous êtes un policier parfait. Qu'importe si vous vous dites « Ah oui, mais en réalité, je serais peut-être pas aussi carré. » Non, dans votre copie, vous êtes ultra carré. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, par exemple, vous arrêtez votre petite sœur complètement ivre sur son scooter, vous ne laissez pas passer. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est votre sœur que vous allez, entre guillemets, fermer les yeux. Ce genre de petits tests sont toujours là. Donc, votre Bible est le code
de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale. Claire, c'est ça. Sans cesse, on revient à ce code. Non, en fait, je fais l'effort déontologie. Rectitude morale. Le concours est un concours difficile, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains médias. Ce n'est pas un concours qui prend n'importe qui. Il y a un vrai travail, un très gros travail de la part du jury pour sélectionner les meilleurs candidats. Il y a énormément de candidats. Donc, le métier de policier est un métier qui est difficile, un métier, en fait, extrêmement louable. Et il y a une vraie sélection. Parmi les critères de la sélection, cette rectitude morale. Et des savoirs, évidemment, c'est le dernier point. C'est une copie qui montre des compétences et du travail. Compétences, savoir, savoir-faire. Les policiers ont une grande culture, puisqu'en fait, ils sont au carrefour de plusieurs institutions. Et donc, sans cesse, on leur demande de sortir, si vous voulez, de leur rôle basique hein, pour aller chercher des informations. Vous avez des métiers, par exemple, vous êtes professeur, ben vous maîtrisez votre matière, vous maîtrisez l'économie, vous maîtrisez les mathématiques. Le policier va devoir aller chercher dans les codes, va devoir être en contact avec telle institution. Voilà, c'est un métier qui demande des compétences, de l'adaptabilité, du sang-froid, des éléments vraiment, en fait, varié. Donc, votre copie doit montrer vos compétences et votre travail. Le travail, cela va être de connaître, par exemple, des éléments récents de l'actualité qui vont pouvoir se glisser dans votre copie. Vous le verrez dans le dernier point sur une de mes réponses rédigées. Vous montrerez comment le candidat peut, s'il a cette information-là, cette connaissance-là, la mettre dans sa copie. Ça, ça paye. C'est une copie qui montre aussi que vous êtes entraîné, c'est-à-dire on attend de vous que vous sachiez aller chercher une information, que vous la restituez. On attend de vous que vous compreniez une situation, que vous soyez capable de la synthétiser. On attend de vous que vous soyez capable de justifier pourquoi il y a infraction, quel code, quelle sanction. Ces éléments-là, en fait, ces éléments-là de compétences vont prouver votre travail. Le jury, en fait, va bonifier les copies qui montrent des efforts pour penser en policier, des efforts montrant qu'on s'est entraîné durement pour préparer ce concours. Voilà, c'est une façon en fait de respecter le jury qui consacre du temps à votre copie. Voilà les éléments pour une copie réussie. Alors, pour le quatrième, donc l'examen du sujet de la session 2023, je vous invite à télécharger le sujet sur le site de la prépa ISP. Donc, vous trouverez sur le site les annales et les vidéos qui présentent des éléments de réponse. Nous allons donc examiner le sujet, c'est-à-dire les cas pratiques et le dossier documentaire. Alors, ce qui était à noter pour ce sujet, c'est qu'il comportait 3 cas pratiques comme pour la session de septembre 2022. Par contre, il comportait nettement plus de questions et un dossier documentaire qui est moins fourni que peut-être les précédents, ou du moins qui est différent dans le sens où il ne va pas reprendre, comme les autres fois, certains articles qui sont vraiment à connaître. Donc là, vous voyez déjà, il y a peut-être eu le souhait de l'institution de voir, en fait, les candidats, si le candidat a fait l'effort de connaître les articles phares du code pénal, du code de procédure pénale, voire de la charte de l'accueil du public, voire du code de déontologie. Alors, donc, premier cas pratique, ce cas de pratique-là, qui, vous voyez, est lié encore une fois à l'actualité,
comme l'était le sujet de la session de septembre 2022, puisqu'ici, il s'agit donc d'un homme qui tient des propos sexistes à l'égard d'une jeune femme. Donc je relève les éléments primordiaux, c'est-à-dire les éléments qui permettent la compréhension du cas. C'est la première chose à faire, je vais donc relever les informations clés. Concernant les questions, la première surprise pour le candidat, il y en a beaucoup. Donc je rappelle que chaque cas pratique vaut le même nombre de points. Là, en l'occurrence, c'est 15 points. Ça ne veut pas dire que toutes les questions valent 3 points, puisqu'il y a des questions qui, par leur difficulté, valent plus de points, ce qui paraît logique. Autre commentaire par rapport à septembre 2022 et qui peut nous orienter vers la session de septembre 2023, le nombre de questions. Sur le sujet session septembre 2022, il y avait un total de 9 questions, 3 questions par cas pratique. Là, vous voyez directement 5 questions, soit quasiment, en fait, les deux tiers du sujet de septembre 2022. C'est un nombre de questions très conséquent, et peut-être qu'en 2024, on reviendra à une forme plus courte de questions. Alors, peut-être pas 9, mais peut-être moins que dans ce sujet-là. Et puis, élément aussi important, il y a 3 cas pratiques. Peut-être que l'institution a choisi de prendre cette forme-là, 3 cas pratiques de 15 points, plus 5 points pour l'orthographe syntaxe. C'est en rien une prédiction, hein, mais souvent, les sujets ont tendance à se ressembler au niveau moins de la forme. Avant septembre 2022, clairement, c'était 5 cas pratiques. Alors, concernant cette question, première question, c'est une question, en fait, de savoir. La réponse se trouve dans le dossier documentaire. On n'attend pas de vous, ici, c'est pas notoire, hein, on n'attend pas de vous que vous connaissiez quel article évoque, en fait, l'outrage sexiste, mais on attend de vous que vous sachiez tout de suite l'infraction qui est faite. Je rappelle qu'il y a 3 types d'infractions, il faut bien savoir les différencier. Ensuite, la question 2 complète la question, on est toujours sur du savoir. Quel article prévoit cette infraction et la réprime, et qu'encourt l'individu? Donc, avant de répondre à une question, lisez toujours toutes les questions du cas pratique. Ça vous évitera de déborder. Par exemple, si je n'ai lu que la première question, eh bien, je vais peut-être avoir tendance à en dire trop. C'est-à-dire à trop développer ma réponse en, par exemple, indiquant ce que l'individu encourt. C'est pas dramatique, mais attention à bien doser la réponse. Là, en l'occurrence, pour cette question-là, évidemment, il fallait parler d'outrage sexiste, faire référence au code, c'était possible, mais faire une réponse assez courte dans l'ensemble. Donc, troisième question, quelles sont les peines complémentaires? Alors là, il va s'agir d'une question de savoir, mais qui est un petit peu plus difficile que les deux autres, puisque là, en fait, je vais devoir bien lire les articles dans le dossier documentaire et ne pas commettre d'erreur, puisqu'un article du code renvoie à un autre article du code pénal, et il faut que je sélectionne les peines complémentaires liées à mon infraction. Là, il y avait un petit piège, donc là encore une fois, c'est une question d'entraînement. Plus je m'entraîne à analyser des dossiers documentaires, à répondre à des questions, plus je fais bien attention à sélectionner les bonnes informations. À la prépa ISP et dans le livre, nous vous donnerons une méthode pour vraiment bien analyser le dossier documentaire. Question suivante. Donc, dans une telle situation, que faites-vous détailler les opérations que vous allez mener sur place? C'est la question la plus importante du cas pratique, celle qui vaut le plus de points. Peut-être qu'il convient de la traiter en premier, mais dans tous les cas, c'est elle qui, en volume, remporte, en fait, si vous voulez, la timbale, c'est elle qui vaut le plus de points. Elle vous met en situation vraiment de policier, et c'est là qu'il faut avoir une méthode
on vous la donnera à l'ISP. C'est là, et dans le livre aussi, c'est là qu'il faut avoir une méthode pour répondre de manière organisée, synthétique, claire et complète. Dernière question, à partir de vos propres connaissances et de la documentation fournie, quels sont les dispositifs permettant aux victimes de se protéger? Donc là, attention à vos propres connaissances, sélectionnez les bons éléments, n'inventez rien, on ne vous demande pas d'inventer quelque chose, on vous demande quelque chose qui existe déjà, pas d'inventer. Évidemment, le dossier documentaire vous donne les dispositifs qui permettent de se protéger d'une telle situation. Donc, en l'occurrence, c'était Angela, par exemple. Donc, voilà, en fait, les éléments. C'est-à-dire que quand je vois le cas, je relève bien les informations, qui, quoi, où, quel est le problème, hein, quel est l'enjeu. Et puis, je lis toutes les questions avant, d'accord, de répondre. Encore une fois, sur la première, je peux très bien déjà citer le code, hein, qui la prévoit. Mais... dans tous les cas, je ferai une réponse courte. Pour la première, c'est évident. Deuxième cas. Alors celui-là, évidemment, personne, je pense, ne l'avait vu venir. Un croquis, et qui donc correspond effectivement aux attentes. Hein. Rien n'est pas dit dans le bulletin officiel que, en fait, les cas pratiques doivent être des textes. Alors, sur le croquis, ça vous renvoie à des savoirs scolaires. Évidemment, là, il va falloir tout de suite travailler sur la légende, repérer la légende, repérer aussi les informations qui sont contenues en haut à droite, donc accident corporel de la situation. Là, le piège était, en fait, de passer trop de temps sur ce cas pratique. Il a sans doute désarçonné beaucoup de candidats. En tout cas, il a fait le tri. Mais encore une fois, si je suis habitué à relever qui, quoi, où, comment, etc., si j'ai une méthode, en fait, il ne posera pas de problème majeur. Donc là, 4 questions, on en est déjà à 9 questions pour ce sujet. Donc la première, eh ben, c'est une synthèse. Là, vous devez rédiger en quelques lignes, avec précision, le déroulement des faits. Donc, il fallait dire qu'il s'agissait d'un accident corporel, indiquer en fait qui était l'automobiliste, qui était la victime, le piéton qui a été victime, et être le plus précis. Là, en l'occurrence, le piéton traversé sur le passage protégé. Donc, voilà, indiquer qu'il y avait des traces de freinage. Bref, là, en fait, on est vraiment dans une pression. Mais on est concis. On n'extrapole pas. On est concis. Indiquer qu'il y a aussi un témoin ou situer l'éclairage public. Quand, en fait, à quelle heure, c'est important, avait lieu l'accident corporel. C'est pas la même chose, on est en janvier sur le cas, si je reviens bien. Oui, on est en janvier. On est en janvier, 16h45, c'est pas la même chose que si on était en été à 17h ou que si, ou qu'on était en janvier à 5h du matin. Vous voyez, ce genre de choses. Deuxième question, donc. La première, donc, c'est une question, je dirais, de savoir-faire, hein, savoir-faire une synthèse. Donc, on est vraiment sur un savoir-faire. La deuxième question, c'est du savoir. À quoi sert un constat d'accident? Donc là, évidemment, on attendait de vous de dire que ça allait permettre à l'enquête, de progresser, mais que ça aura aussi des incidences après, hein, par exemple, sur les assurances, ce genre de choses. Troisième question. La plus problématique, donc les points fixes. Bon, les points fixes, comme leur nom l'indique, vous avez des idées, hein, le poteau électrique est un point fixe, par exemple. Et j'ai un petit doute sur le troisième point, sur le plan des lieux mis à votre disposition, à partir de quel point fixe les codes du véhicule sont-elles prises. Donc là, vous voyez qu'il y a une faute d'orthographe, ce qui arrive dans quasiment tous les sujets. Donc là, cette question-là me semblait un petit peu, je vous avoue, un petit peu étrange. Néanmoins, bon, on pouvait y répondre si on avait répondu aux précédentes. Et la dernière question, à quel dépistage le conducteur doit-il être soumis? Donc cette dernière question porte principalement sur des savoirs et sur, en fait, du bon sens. Là, évidemment, si vous avez la culture police, vous savez à quel dépistage il peut être soumis, puisque l'objectif est d'abord... avant de savoir s'il a, roulé trop vite, d'abord, est-ce qu'il était en état de conduire, c'est-à-dire alcoolémie,
D'accord? Stupéfiants, éventuellement médicaments. Ouais, ce genre de choses. Et enfin, l'intérêt de procéder au dépistage, là encore, c'est de la déduction, de la logique. Ici, la question qui vaut le plus de points, à mon sens, puisqu'il n'y a jamais le barème, je pense que c'est la première question. Là, on va vraiment voir la capacité de synthèse du candidat à partir d'un croquis, puisque ça peut être une mission que le gardien de la paix, en fait, rencontrera dans sa carrière. Donc, le piège pour les candidats, pour ceux qui vont préparer le sujet, évidemment, était de consacrer trop de temps à ce cas pratique qui pouvait sembler désarçonnant. Si vous bloquez sur une question, appliquez cette règle, vous passez outre. C'est-à-dire ne Parfois, on n'arrive pas à répondre, on n'arrive pas à répondre à une question, on tourne, on revient, on commence soit à s'agacer, soit à paniquer, on passe outre. Donc, n'hésitez pas. En 2 heures, vous devez être toujours, entre guillemets, en mouvement. Ça veut dire que vous devez toujours être en train de travailler, de rédiger. Il ne faut pas que ça bloque. Si ça bloque, on saute la question. Encore une fois, ce cas-là, c'est 15 points sur 4 questions. Donc, ça veut dire que même si on considère qu'il y a trois questions, qu'il y a quatre questions, aucune question là, en fait, ne vaut 10 points sur ce cas pratique. Le dernier cas, donc, lui aussi lié à l'actualité, hein, comme c'est souvent le cas dans les sujets. Un cas lié à l'actualité. On avait eu de rodéo urbain en septembre 2022, et bien en mars 2023, on a, outre l'outrage sexiste, le harcèlement scolaire. Donc, qui est un sujet dont s'occupent les pouvoirs publics. Et là, 3 questions. Donc, on finit avec un total, si j'ai bien fait le compte, de 12 questions. 3 questions de plus, ce qui me semble assez lourd pour un sujet de 3 cas pratiques. Je dirais plus que la norme sera autour de 10 questions. Donc, d'abord, on vous indique que c'est une infraction. On vous demande de la trouver. Donc, ça, c'est du savoir. Là encore, le dossier documentaire me donne la réponse. Attention à être précis. Il s'agit d'un cas de harcèlement, mais de harcèlement scolaire, qui est un délit. Donc, si je réponds qu'il s'agit d'un cas de harcèlement, eh bien, ma réponse est incomplète, c'est du harcèlement scolaire. Et donc, vous devez justifier, c'est-à-dire référer cette fois au code. Et là, on est presque obligé de citer un passage du code. Alors, je rappelle, lorsque vous citez, vous ouvrez les guillemets. Alors, si vous mettez 2 points, c'est 2 points, vous voyez les guillemets majuscules. Vous pouvez couper un texte en ouvrant les crochets. Crochet, 3 petits points, fermeture de crochet. D'accord? Si vous insérez la réponse dans, la, pardon, le texte cité dans votre réponse, en fait, vous ne mettez pas les 2 points, vous ouvrez les guillemets sans majuscule et vous citez. Deuxième question et la question. La deuxième question. Pardon, la deuxième question est la question qui vaut le plus de points. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'une question action et que vous allez vous retrouver en tant que futur gardien ou gardienne chargée d'accueil. Donc là, on va évaluer en fait la manière dont vous allez recevoir le public. Il était évident qu'il fallait en fait évoquer la charte d'accueil du public. Ça, c'est un attendu. Donc, il fallait la placer. Dernière question. Eh bien, c'est une question d'argumentation. Alors, vous le voyez, selon vous, quelle action? Il n'y a pas de S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut-être qu'on attend de vous, en fait, une seule action, parce qu'on a estimé que le sujet était très long. Si vous en mettez plusieurs, vous ne serez pas forcément bonifié. Ce n'est pas sûr qu'il y ait des points en plus pour les personnes qui fait. Donc, regardez toujours bien, en fait, hein, s'il y a un pluriel, pas un pluriel, quelle action peut mener la police nationale. On ne vous demande pas ici d'originalité, hein. La plupart des gens vont parler, en fait, d'une intervention de la police préventive, évidemment, dans les collèges
et les lycées, voire les écoles, pour parler du harcèlement, à la fois bien de préciser que c'est un délit, le harcèlement scolaire est un délit, et les sanctions, mais aussi ce qui peut les conséquences que cela peut avoir pour une victime, et le rappel en force du cadre et de la loi, que tout élève a le droit à une scolarité sans être harcelé scolairement. Voilà. Donc, pour cette question-là, ce n'est pas la peine d'être particulièrement original. Le dossier documentaire maintenant. Alors, le dossier documentaire, comme souvent, en fait, était assez clair, c'est-à-dire que vous allez retrouver les articles qui sont en lien avec les cas pratiques, très souvent, en fait, très souvent dans l'ordre. Là, c'était pas forcément le cas. On a un petit peu compliqué. Alors, les fois précédentes, au cas pratique numéro 1 correspondait la première page. Là, dans le dossier documentaire, on a d'abord l'article 131-5-1 du code pénal. Voilà. Et alors que l'outrage sexiste était sur la page d'après. Globalement, le dossier, en fait, n'est pas extrêmement compliqué. Ce qui est plus étonnant, c'est que il ne contient pas les articles phares à connaître, donc les prérequis qui souvent l'étaient. Il n'y a pas non plus de référence au code de déontologie ni à la charte d'accueil du public. Tout cela me fait donc dire que le sujet de mars 2023 était plus difficile que le précédent. Donc félicitations aux candidats qui l'ont réussi. Et que les prérequis, eh bien, s'avéraient cette fois, en fait, indispensables et qu'ils ont permis au jury de voir qui a travaillé en amont, qui connaissait la charte d'accueil, qui connaît le code de déontologie, qui, en fait, si vous voulez, connaît les articles qui vont permettre de rendre la réponse la plus complète possible. Donc, encore une fois, préparez-vous. Le dossier documentaire ne viendra pas toujours à votre secours et ici, il donnait surtout des éléments, en fait, qui ne sont pas attendus. On ne vous demande pas de connaître quel article relève l'outrage sexiste ou le harcèlement scolaire, bien entendu. Donc, voilà ce qu'on pouvait répondre. Alors, j'ai choisi la question du cas pratique numéro 1, puisque très souvent, en fait, les candidats commencent par la question 1 du cas pratique numéro 1. Encore une fois, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, je réponds dans cette question rapidement, c'est-à-dire que d'emblée, je reprends les mots-clés, donc nommer l'infraction commise par l'individu, donc les dires de l'individu constituent un outrage sexiste. Voilà. J'aurais pu, l'infraction commise par l'individu constitue un outrage sexiste. Voilà, je suis clair sur ma réponse. Et ensuite, évidemment, je vais justifier, même si ce n'est pas attendu, je vais quand même justifier par sécurité. Parce que si je réponds juste que c'est un outrage sexiste, peut-être qu'on ne m'accordera pas le ou les points de cette question qui devait en comporter peu, hein, il devait avoir peu de points pour cette question. Et donc, le code pénal, donc le 621-1. Là, je vais citer le code pénal. Je peux faire encore plus court, hein, si je manque de temps, si déjà j'attaque les cas, en disant « l'infraction commise par l'individu constitue un outrage sexiste » tel que le dispose l'article 621-1 du code pénal. Voilà, c'est-à-dire que je ne rallonge pas la question, je ne vais pas faire comme dans certaines copies des candidats l'ont fait, c'est-à-dire dire la situation que rencontre la femme est donc est similaire à ce que définit le code. Non, là, ça suffit, c'est une question qui vaut peu de points, donc je réponds, en fait, rapidement, mais encore une fois, je suis précis. Deuxième exemple que je vous propose, là, le cas pratique numéro 3, question numéro 2, une question action. Alors là, il y a fort à parier que cette question-là remporte le plus de points du cas pratique. Donc, je réalise une petite introduction. Je ne suis pas obligé de la faire. Si je n'y arrive pas, je ne le fais pas. Pour moi, une bonne réponse est une réponse qui évite
au correcteur ou au lecteur d'aller chercher la question. C'est-à-dire que dans les premières lignes de ma réponse, bah, je recontextualise, pour éviter ça. Néanmoins, il y a des copies qui ont eu des notes très très flatteuses, qui auraient commencé, ou qui commençaient par exemple, dans ce cas de figure, je fais blablabla. C'est à vous de voir. Est-ce que vous refaites une petite intro ou pas? Vous pouvez vous en passer. Là, j'ai choisi de la réaliser. Donc voilà mon intro qui va synthétiser l'idée. Gardien de la paix, je suis chargé de l'accueil de mon commissariat. Madame Alpha se présente avec son fils collégien de 12 ans. Ce dernier est victime de harcèlement scolaire. Et là, je vais placer mes connaissances, en fait, ce qui va rendre de très bonne humeur mon correcteur et montrer que j'ai travaillé un délit depuis la loi du 2 mars 2022. Donc, ensuite, je continue ma petite intro. Cette infraction est commise par des camarades. Alors, pourquoi c'est important de le dire ? Parce qu'il existe pour les mineurs, vous le savez, que les peines pour les mineurs ne sont pas les mêmes que pour les majeurs. C'est important de faire cette petite précision. Ce n'est pas la même chose que s'il était qu'on est harcelé par un surveillant, ou par un professeur, ou par un autre intervenant adulte de l'établissement. Ensuite, là, à nouveau, je montre que je suis un policier parfait, et donc référence à la charte de l'accueil du public et de l'assistant aux victimes. Et puis, donc, à nouveau, un rappel de la loi du 26 juillet 2019. Celle-là, il fallait donc, c'est difficile de la connaître. Néanmoins, je pense, enfin, certains candidats l'ont cité, ils ont eu complètement raison. La loi du 26 juillet 2019 pose le droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire. Donc, ensuite, on expose les sanctions. Et puis, en fait, on est toujours dans cette idée de rassurer l'usager, de lui dire qu'on l'a entendu, qu'on va prendre le problème à bras le corps, que la police nationale va faire en fait le travail pour en fait soulager. Évidemment, alors là c'était un attendu clair et net, si ce n'est pas mis dans la copie, c'est sanctionné, l'existence du 3020, donc le numéro de téléphone d'écoute, donc à citer, et puis toujours à faire, hein, si vous tombez sur un cas similaire, vous êtes l'accueil, à la fin de l'entretien, on s'assure que les personnes ont bien compris la procédure et on leur dit également qu'on les informera des actes entrepris et donc des suites hein, de leur dépôt de plainte. Donc le bilan, c'est celui-là. Je rappelle la situation, ça c'est facultatif ou pas, et derrière, tout de suite, j'indique ce que je fais. Donc, j'écoute parfaitement comme le dit la charte. Je leur assure que la plainte est prise, enfin je leur conseille de déposer plainte et je leur assure qu'on accordera toute notre attention, rappel évidemment à la loi, d'accord, et puis on rassure l'usager, on le guide éventuellement vers des soutiens, là en l'occurrence c'était le numéro de téléphone. À la fin, en fait, on leur dit que on les informera de la suite du dépôt de plainte. Voilà comment, si vous voulez, dans cette réponse, eh bien, je vais me différencier des autres candidats grâce à la charte de l'accueil, que je dois absolument connaître et donc utiliser, et puis éventuellement, loi du 2 mars 2022, loi du 26 juillet 2019, et surtout, en fait, montrer que j'ai bien utilisé le dossier documentaire grâce, en fait, à l'existence du 30-20. Voilà, en fait, pour cette question. Donc, par rapport au cas, soyez dans une logique de stratège, soyez stratégique, c'est-à-dire repérez là où les questions qui valent le plus de points. Généralement, la question-action, comme celle-ci, c'est-à-dire on vous demande ce que vous feriez, eh bien, vaut le plus de points. Ensuite, ça va être des questions d'argumentation. Et puis, celles qui valent le moins de points sont les questions où, en fait, il suffit d'aller jeter un œil dans le dossier documentaire, des fois même pas, pour dire. C'est-à-dire, voilà, quelle est l'infraction?
Ah, vite, si j'ai bien analysé mon dossier documentaire, j'ai la réponse. C'est cette question-là qui valent le moins de points. Donc, repérez bien les questions. Ne vous attardez pas sur des questions qui, comment dire, qui sont trop faciles. N'y consacrez pas trop d'huile. Pas trop de lignes. N'y consacrez pas trop de lignes. Dosez, vraiment, dosez bien, en fait, votre réponse. Donc, dans le livre, vous aurez des entraînements, des exercices, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc au nom de la prépa ISP, je vous remercie de votre écoute. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions. Je vous invite donc à travailler régulièrement, à ne pas paniquer par rapport à ce qui pourrait être orthographe, mais à bien réviser les connaissances, à rédiger très souvent pour éviter en fait de commettre de grosses erreurs. C'est un travail en fait, c'est un concours qui est difficile, c'est une épreuve qui est difficile, et un travail régulier avec des tests planifiés, donc des sujets à faire, est indispensable pour réussir cette épreuve. Voilà, je vous remercie de votre écoute.